Pour 3 minutes et 30. Représentante, il faut être clair aujourd'hui. Pour beaucoup de Palestiniens, et je reviens de Ramallah et des universités palestiniennes, deux solutions n'est plus à l'ordre du jour. Les Israéliens n'en veulent pas. Ne nous mentons pas. Israël rend de plus impossible la solution de deux États. Nous défendons avec raison deux États. Mais il faut mesurer la frustration palestinienne. Et ce que je ne comprends pas, nous soutenons, comme les socialistes, l'initiative du président Abbas à l'ONU. Et je trouve la phrase qu'il a trouvée en disant « En Moyen-Orient, il n'y a pas un État de trop, mais il manque un État ». Donc il dit « L'État d'Israël est légitime, mais il manque l'État palestinien ». C'est la phrase que nous pouvons tous signer. Seulement, ce que je ne comprends pas, Madame la Haute Représentante, c'est que vous arrivez ici et dites « Nous regrettons que l'Israël ait décidé aujourd'hui la construction de 1100 ». Au moins, condamnez-le et ne le regrettez pas. Dites que c'est impossible, soyez clair. Et deuxièmement, même si nous sommes pour la reconnaissance de l'État d'Israël, de l'État palestinien tout de suite, au moins dites aux Israéliens, dites-leur, s'ils continuent les constructions, eh bien vous pousserez les États européens à tout de suite accepter la reconnaissance de l'État palestinien. Faites-leur le même chantage qu'ils font avec vous, parce qu'avec vous ils disent on va négocier et en même temps ils continuent à occuper. Faites de la politique, Madame Ashton. La politique, c'est pas de la prière. Aujourd'hui, il y a en Israël des centaines de milliers de personnes qui s'opposent à la politique de Netanyahou. Il faut que l'Union européenne, il faut que nous, ici, nous soyons sincères et Monsieur Tsanok, ne soyons pas cyniques. L'État d'Israël a été reconnu unilatéralement par l'ONU en 1947 et c'était juste. C'était juste. Il n'y a pas eu de négociation avec les pays arabes et c'était juste. Et quand Monsieur Tsanok, vous nous dites que Israël soutient les Palestiniens avec de l'eau, Israël vole l'eau des Palestiniens et leur revend. C'est ça que vous appelez soutenir? Enfin, il faut arrêter un peu avec notre cynisme européen. Si aujourd'hui, nous ne nous levons pas tous et nous disions aux Israéliens, votre paix, la paix d'Israël, Israël pouvant s'intégrer dans un espace du Moyen-Orient, même de rêver des États-Unis du Moyen-Orient où tout le monde aurait sa place, Israël doit comprendre que c'est dans son intérêt le plus intime qu'il y ait un État palestinien. Et Madame Ashton, vous devez dire aux Israéliens, des représentants palestiniens comme Monsieur Abbas ou comme le Premier ministre Fayyad, ils n'en auront pas d'autres. Et qu'aujourd'hui, si le Hamas aujourd'hui est contre l'initiative de Monsieur Abbas, parce qu'il sait que cette initiative, c'est la seule possible pour qu'il y ait deux États au Moyen-Orient. Donc je trouve que votre position est trop faible. Vous n'avez à aucun moment dit ici comment vous pouvez obliger les Israéliens à négocier. C'est un mensonge incroyable. Ils disent on va négocier sans condition parce que sur le terrain, on est en train de changer les conditions. On est en train de continuer l'occupation. Donc dites aux Israéliens où ils arrêtent tout de suite les colonies, la colonisation et la construction, où l'Union européenne soutiendra tout de suite la reconnaissance de l'État palestinien, maintenant dans la 70e réunion de l'ONU. Si vous ne le faites pas, Madame Ashton, eh bien, vous verrez que dans 6 mois, il n'y aura pas de négociation. Dans 1 an, on en sera là où on en est aujourd'hui. Vous reviendrez ici, vous dites, il faut que les Israéliens et les Palestiniens comprennent que ce n'est que par les négociations qu'ils arriveront à la paix. Ils arriveront à la paix, Madame Ashton, si nous disons aux Israéliens des fois, et pour défendre l'État d'Israël, « Too much is too much, enough is enough ». Si on leur parle comme ça, vous verrez que les choses changeront. Merci.